Hey yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Eh ben écoute, moi ça va à merveille. Joyeuse fête de nouvel an, bon année 2021, comme ça c'est dit chez nous famille. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du live acoustique de l'artiste musicien congolais Wey Ranson. Eh ben à mon humble avis, on n'en parle pas assez, j'ai envie de dire. Depuis le lancement de cette vidéo, de ces medley, je trouve qu'on n'en parle pas assez, raison pour laquelle je me suis dit non, je l'ai écouté. Et j'ai vu ce qui a été réalisé, je me suis dit, ça en vaut réellement la peine d'en parler puisque c'est très bien réalisé, très bien peaufiné, très très bien, alors très très bien chanté surtout. Raison pour laquelle je me suis dit, je viens à vous, j'en parle et c'est bon. D'entrée des jeux, vous devriez savoir que l'artiste musicien Wey Ranson, ce fut l'un des membres du Wenge Musica 4x4 quand ils étaient encore, on va dire, hein, en groupe avec des artistes tels que JB Mpiana, Blaise Boula, ainsi que les autres family. Après la dislocation de ces groupes family, il a réussi à créer, on va dire, le Wenge Musica Mezomer propre à lui. Ngiama Makanda Wey Ranson, dès son vrai nom, c'est un artiste congolais, artiste, musicien, compositeur, chanteur, interprète. Écoutez family, il a mis récemment à notre disposition un live acoustique sorti le jour de son anniversaire, le 25 décembre. Donc le jour de la Noël, de la fête, on va dire, hein, de Noël, puisqu'il est né le 25 décembre 1965, enfin je crois. Eh ben, dites-le-moi dans le commentaire, hein, si je n'ai pas tout faux. Eh ben, vous devriez savoir que c'est un artiste qui engraine de foule et de foule en République démocratique du Congo ainsi que partout en Afrique. Wey Ranson, c'est un artiste patron du Wenge Musica Mezomer, tout simplement. Pourquoi? Parce que j'appelle école Wenge Musica Mezomer. Pourquoi? Parce que c'est un orchestre qui a pu former le talent et les étoiles que nous voyons aujourd'hui, tels que Ferregola, Héritier Watanabe, Didier Lacoste, Bill Clinton, Kalonji, Céléo Scram, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, en tout cas, qui sont passés par là. Déplique, Fabregas, que vous connaissez également, Robinho Mundibu également. Ce sont ceux-là qui maintiennent au jour d'aujourd'hui une certaine visibilité pour mieux représenter, on va dire, de là d'où il vient, c'est-à-dire du Wenge Musica Mezomer, sans doute. Eh ben, écoutez, nous revenons sur ces lives, puisque je trouve qu'on n'en parle pas assez, famille. Moi, je me mets à nu devant vous pour vous inciter à aller regarder, j'ai envie de dire, hein, ces lives acoustiques, comme l'artiste l'a revendiqué sur un plateau de télévision nationale chez Mamie. Il est là, je pense que c'est une journaliste de connue auprès de Congolais, bien sûr. Hein. Il a affirmé avec force que cette voix lui a permis de revisiter ses vieilles chansons à succès, bien évidemment, chantées avec une voix de velours, une voix de velours. Une douceur qui se dénote à sa façon de chanter, tout simplement. Eh ben, écoutez, comme je l'ai dit tantôt, c'est un medley, on va dire. Il a revisité ses vieilles chansons à succès avec l'aide du grand Sek Bidance, qu'on voit tout à fait gratter une guitare à l'introduction de la vidéo, tout simplement. Eh ben, je vous incite, family, à aller jeter un œil dessus et ça fera énormément plaisir à l'artiste. Et abonnez-vous surtout à sa page aussi. Donc, voilà. Au jour d'aujourd'hui, cette acoustique, c'est medley, après 4 jours, on va dire, hein, après sa sortie, bien évidemment, hein, le 25 dernier, cumule 142 000 et poussière de vues. Et ce sera quelque chose de bien si vous y allez encore écouter. Moi, j'ai eu mon temps d'écouter. Je me suis dit, en tout cas, c'est merveilleusement bien fait. Après, c'est à vous d'en juger, c'est à vous d'apprécier, tout simplement. Eh bien, écoutez, le fait de réaliser un live acoustique, essayer de revisiter ces vieilles chansons, il y a tant d'artistes qui l'ont fait, et surtout pendant le confinement. Je passerai par Reddy Amici, par Ferregola, par JDT Molopoué, ainsi que tant d'artistes qui l'ont réellement fait, on va dire, de ces gens-là surtout. Je vous incite tous à aller guetter ça, et puis ce sera quelque chose de bien. Moi, c'est Vimawete, portez-vous bien, et masque, distanciation sociale, j'adore les dire. Prenez soin de vous, famille, prenez soin de vous. Respectez le couvre-feu de partout où vous êtes. Enfin, certaines personnes qui sont en confinement, eh ben, passez un excellent moment. Ne déprimez surtout pas pendant cette période de fête. Moi, je vous réitère encore une fois mes voeux le meilleur et bon année 2021. Eh, je vous dis ciao. On se retrouve dans une prochaine vidéo, soit dans un prochain live. Ciao.